Je m'appelle Sylvain Bouhaud. Lorsque j'ai arrêté ma carrière d'assureur, je voulais travailler dans ce qui se rapporte aux énergies renouvelables. Et puis, en recherchant sur Internet, j'ai trouvé des fabricants de capteurs solaires à air. En 2010, c'était quelque chose qui était quasiment inconnu en France, mais très connu dans les pays nordiques, où ils avaient développé des solutions économiques dans leur fonctionnement et économiques au niveau du prix d'achat. Là, on est en présence de matériel simple, facile à mettre en œuvre. Donc, je me suis lancé à constituer une entreprise et de fil en aiguille, donc je me suis retrouvé à commencer de vendre ces systèmes. Il s'agit de récupérer de l'air réchauffé par le soleil et cet air réchauffé va être aspiré par un ventilateur pour faire entrer cet air tempéré dans une maison. C'est une technologie très simple, pas de maintenance. Le seul truc qui peut tomber en panne, c'est un ventilateur à 20 euros qu'on peut changer nous-mêmes. C'est vraiment quelque chose philosophiquement, techniquement très simple, accessible à tous. C'est très intéressant parce que le soleil jusqu'à maintenant est gratuit, puis j'espère que, et pour tout le monde, qu'il sera gratuit pendant encore quelques millions d'années. Alors, ce que ça m'apporte, cette activité, eh bien, toute prétention mise à part, c'est d'apporter une contribution à un mieux vivre collectif. Au niveau de l'environnement, au niveau des énergies, je pense qu'on peut faire encore beaucoup plus. Mais il faut du temps. C'est pas en 3 mois qu'on va changer les choses, mais il faut promouvoir des idées qui vont dans ce sens-là.